Alors maintenant, je viens vérifier que la charge a été modifiée. Alors qu'est-ce qu'il reste à vérifier? On va vérifier est-ce que les poteaux sont bien avec les sections qu'on a créées. Alors 45, 45. Ici, je vais mettre pas 45, je vais mettre 40 par 40. Ici, je vais mettre 35. Et ici, on a dit qu'on va mettre 30. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Qu'ils ont les mêmes matériaux. Voilà. Voilà. Voilà pour que je ne fasse pas d'erreur. Alors, si vous n'avez pas les mêmes matériaux, vous pouvez pas avoir des mêmes résultats de poids. Maintenant, j'ai créé mon panneau élément fini. Alors, au niveau du panneau élément fini, je vais créer nouveau. Alors, ici, on a. Si vous avez des dalles pleines, vous ajoutez directement l'épaisseur. Sinon, si vous avez des dalles ourdies, vous pouvez calculer l'équivalence de poids et affecter une épaisseur à votre panneau. Alors, ici, on va travailler avec des dalles de 11,2. Alors, 104Z, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est au niveau du. Si vous avez un radis, vous ajoutez l'élasticité du sol. À partir d'ici, ça c'est là, il est donné par le rapport du technique. Alors, ici, on va chercher le béton 25. Et je vais mettre ajouter. Alors ça, épaisseur, elle n'est pas finie. Je vais l'affecter à l'ensemble de mes barrages. Alors soit je travaille avec ça, soit je travaille avec des dalles. Alors des dalles, ici on va travailler à la on va faire la même chose. Alors ici l'épaisseur, on peut l'ajouter. Aussi ici, on doit changer le modèle. Alors toujours on travaille avec un modèle coque. Un modèle coque, c'est un modèle qui est général dans les calculs, c'est-à-dire qu'il va diviser le panneau en éléments finis et il va dispatcher les charges par éléments jusqu'à atteindre les poutres, c'est-à-dire qu'il va pas respecter ni les surfaces d'influence ni les adapts, mais il va répartir les charges d'une façon presque la même que les surfaces d'influence, mais il est plus précis que la méthode simplifiée des surfaces d'influence. Alors, ici, ce plancher dire par exemple rigide, c'est un modèle extrait du modèle coque. Diaphragme rigide, ça veut dire qu'il va faire la même chose que dalle, ça veut dire qu'il va porter dans les deux directions. Si on a un panneau carré, il va travailler. Il va partir des charges triangulaires et trapézoïdales. Si nous avons une dalle avec une seule direction, on va utiliser tablier avec une seule direction. Alors pour le reste, alors ici paramètres, on n'a pas beaucoup de choses à modifier. Alors on choisit modèle coque. Après, on va travailler sur la modélisation par contour ou bien rectangle, la même chose que les barres. Alors ici, je peux changer mon modèle. Alors, bien ajouter un modèle coque qui va se baser sur le modèle coque, mais avec d'autres paramétrages. Alors ici, un modèle coque avec éléments finis. Mais si je travaille pas sans éléments finis, il va répartir les charges dans deux directions ou bien dans une seule direction. Alors dans deux directions, il va les répartir d'une façon triangulaire, comme une alpin triangulaire et trapézoïdale, et une seule direction, il va répartir selon la proposition, la supposition de béton armé selon les surfaces d'influence. Mais dans ce cas, ils vont travailler comme les dalles ourdies. Ça veut dire qu'il y a des poutres qui vont supporter de la charge, et il y a des poutres qui vont être
vont jouer un rôle de bande noyée. Alors ces paramètres, vous pouvez les utiliser aussi pour changer les directions dans le cas où vous utilisez directement le plancher, mais dans le cas où vous utilisez bardage avec les directions, après vous affectez un modèle élément fini où il va faire automatique. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un modèle cop. Je vais l'appeler cop 1 direction. Alors pas élément fini, une seule direction. Alors je vais l'ajouter et je vais faire. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors ça, c'est un modèle panneau. Alors je vais ici changer le modèle par modèle coque indirect. Après je vais voir mon modèle, qu'est-ce qu'il va me donner. Alors je vais laisser coque. Qu'est-ce que je vais faire pour faire afficher ma direction de charge? Alors je vais mettre le attribut. Alors panneau élément fini. Alors ici j'ai le sens de charge de ferrage et le sens direction de répartition de charge appliqué. Alors il ne m'affiche pas, je ne sais pas pourquoi il ne m'affiche pas ça, mais normalement il faut qu'il l'affiche. Voilà. Alors maintenant on va revérifier. Comme ça, je peux être sûr que ma répartition ici. Parfois, il change la direction. Alors, s'il change la direction, automatiquement, vous aurez une différence de valeur au niveau des membres sur la poutre, au niveau du poids propre, entre deux modèles que vous estimez qu'ils sont les mêmes. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, dans les autres niveaux, il ne va pas me montrer ça, mais comment je peux le montrer? Alors, quand j'ai créé coque une seule direction, alors je vais l'affecter. Tout simplement, il va m'afficher le sens de répartition des charges. Alors maintenant, on a terminé le chargement, on a terminé la vérification du modèle. Alors, on va faire une petite vérification simple. Alors, j'ai pas d'erreur. Je m'excuse encore une fois, je suis un peu malade. Alors, je vous embête par ces sons. Alors, je vais mettre maintenant chargement. Analyse, type d'analyse. Sans passer par analyse statique, on va passer directement à analyse modale. Alors, analyse modale. Alors, on va choisir cohérent parce que c'est la méthode de calcul la plus utilisée au niveau des bâtiments. Alors, négliger la densité et vérification de storm. Alors, négliger la densité parce que je vais faire rentrer la valeur de la masse ici du poids propre, il va le prendre. Alors si je coche pas ça, il va le faire entrer une deuxième fois, le calculer deux fois. Alors vérification de storm pour ne pas oublier un mode. Alors ici je m'assure que j'ai 0,05. Après j'ai l'analyse modale. Alors après l'analyse modale, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter l'analyse sismique. Alors l'analyse sismique, alors je dois choisir RPF 2011, mais avant de faire ça, alors qu'est-ce que je vais faire? Je dois être sûr que dans préférences des tâches, normes et conceptions, charge, j'ai la norme. Alors dans mon cas, je ne l'ai pas. Alors je vais revenir, je vais être sûr. Alors normes de pondération, c'est BAEL. Ce sont des choses que j'oublie toujours et je reviens. Mais dans votre cas, il faut figer tout ça au début du projet. Alors maintenant je vais revenir. Alors type d'analyse, alors je vais compléter l'analyse modale, après je vais faire l'analyse sismique. Alors ici je vais sélectionner modale, je vais cocher Z, décocher Z et je vais sélectionner mes charges permanentes. Voilà, fermé avec un coefficient 1 et ici avec un coefficient de 0,2 suivant le cas. Alors ces coefficients, ils peuvent changer suivant le RPS. Alors vous pouvez voir un tableau de répartition des coefficients de répartition de masse de la charge d'exploitation dans le RPS, alors suivant le type de la structure. Alors je vais mettre
C'est pas maintenir avec les modales. Alors ça, je vais supprimer et ça, je vais supprimer. Supprimer et faire la même chose. Alors je vais mettre 1, espace 2. Alors ici 1. Alors et je dois être sûr que ce sont les masses modales. Ce sont des masses qui vont être comptabilisées. Même si vous oubliez et vous faites entrer les valeurs ici, ça va être calculé la même chose, mais de préférence d'être plus précis, parce que dans des grands projets, vous aurez plusieurs analyses, par exemple le modal que vous ajoutez pour analyser des cas. Alors il faut être s'habituer à être un peu précis. Alors j'ai terminé l'analyse modale, l'analyse SMIC RPS 2011. Et ici, il faut savoir la zone, la classe de la structure, le site, ainsi de suite. Alors, on va utiliser une zone 2, l'accélération et la vitesse. Alors, classe 2 de la structure, site 2. Alors, puissance de comportement, par exemple, 1,4. Alors, horizontale toujours. Alors, maintenant, je vais choisir les directions. Alors, pour les directions, j'ai x, y et z est égal à 0. Alors, pour les charges, les combinaisons d'une marque, j'ai cliquer les deux premiers groupes, et dans le cas où j'ai les trois directions, je sélectionne trois directions. Pour les charges de combinaison, toujours par défaut, il faut utiliser les combinaisons séquencées. Alors c'est rarement qu'on utilise des combinaisons SRS pour des conditions modales du bâtiment, mais dans la majorité des cas, on utilise les combinaisons séquencées. Alors, ok, voilà mon paramétrage. Alors avant de lancer les calculs, alors je vais ajouter les combinaisons de charge automatique. Alors rapidement, combinaison manuelle génération. Alors je vais cliquer avancer. Alors attention à la règle. Non, j'ai changé la règlement de consommation. Alors, je vais vérifier la règlement que j'ai ici. Alors j'ai la règlement de consommation BRUL. Ici tableau de chargement. Excuse. Combinaison de choses, voilà. BRL, alors, c'est quand la de règlement a été modifié ou le son était dans les définir à nouveau suite. Oui. Alors, combinaison, j'ai un instant accidentel. Voilà. Alors, suivant les groupes, alors je vais ajouter mes groupes. Permanente 1 et permanente 2, créer le groupe. Alors, exploitation. Voilà. Sismique. Alors, ou exclusif. Non, alors, je dois ajouter les relations. Alors, pour les relations. Alors, j'ai pas créé le groupe. Alors, créer le groupe. Alors maintenant, permanente. Alors j'ai les deux. Je vois là les relations. Alors l'exploitation, c'est et sismique. Non, c'est ou exclusive. Alors l'exploitation, c'est ou. Alors on a la charge d'exploitation plus, on a la charge d'exploitation, c'est et. Alors maintenant suivons et voilà tous les cas de charge. Alors ici vous pouvez choisir des cas et vous pouvez aussi sélectionner l'ensemble. Moi pour ne pas tarder, je vais sélectionner l'ensemble des cas et je vais générer mes combinaisons. Alors vous pouvez vérifier l'ensemble des combinaisons ici par tableau de combinaisons. Alors voilà, on a les combinaisons CQC, les combinaisons de numérique sismique. Après, on a les combinaisons 1,5G et 1,35G et les combinaisons ELU pour le poids propre, pour la charge d'exploitation seulement. Après, on a le reste avec en combinant les charges sismiques. Alors maintenant, mon modèle est prêt. Je vais vérifier ma structure. Voilà, j'ai pas de peur. J'ai affiché en 3D. Alors, j'ai affecté mes épaisseurs. Après, je vais lancer mon calcul.
Hello everyone, thanks for watching. I hope you enjoyed this video. Thanks to the amazing man Hamad, he's in Dubai, I'm in New York. Alors, cette erreur, c'est parce que je pense que les panneaux, ils ont... Alors voilà, je vais vous montrer pourquoi cette erreur est affichée. Alors, parce qu'il y a une petite erreur. Alors, ici, quelque chose. Alors, pourquoi il y a... Alors, la première des choses, c'est que je dois vérifier que le pop-up est pris par l'ensemble des plans. Alors, elle n'a pas pris l'ensemble des plans. Alors, ça, c'est la première erreur. Alors, maintenant, il prend en charge l'ensemble de la structure. Voilà. Alors, la deuxième chose, je vais supprimer le maillage. Et je vais ajouter un petit. Alors, pourquoi ça? Alors, j'ai essayé de sélectionner ce panneau, maillage. Alors, dans ce panneau, j'ai un problème de possible. Alors, j'ai pas de problème ici. Alors, je vais faire ça, c'est plus facile. Alors, ici. Pas de problème. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors l'erreur elle vient d'ici. Alors je vais mettre matériaux, modifier, béton 25. Alors pour changer il faut que j'ajoute, je sélectionne pas par défaut, parce que ça c'est par défaut il va le prendre. Alors il faut que j'ajoute. Alors ici je vais écrire ici béton 25 MPa et je vais mettre ajoute. Voilà. Pour que je garde mes valeurs. Alors, mais ici, je vais changer ces valeurs. Alors, je vais faire cette application juste pour vous montrer comment vous pouvez vérifier. Est-ce que 3. Alors, ici, ça. Alors, je vais mettre OK. Et je vais revérifier que les valeurs ont été changées. Voilà, mais au niveau 25 MPa. Maintenant, je vais relancer ma valise. L'erreur a disparu.